Bonjour. Salut à toi, Je bienvenue. suis sincèrement désolé, j'ai menti pour monter juste parce que j'ai une question. Dis-nous. Désolé. Je ne suis pas croyant, mais hier, par exemple, quand tu étais avec Jacques, vous avez dit quelque chose d'intéressant qui m'intéresse. Si tu peux juste noter la question et puis lui poser la question, ce serait intéressant. Dis-moi. Quand on parlait le fait de se faire contrôler. Moi, j'avais une question. Dans les aéroports, par exemple, quand tu sors de l'avion, on sait très bien que généralement, ce n'est pas les blancs qui trafiquent les documents. Généralement, c'est nous les noirs ou les arabes qui trafiquent les documents. Du coup, on se fait contrôler automatiquement, généralement. Mais dans ce cas-là, est-ce que selon Jacques, il faut contrôler tout le vol? Imagine, je ne sais pas, moi, il y a 100 personnes, 60 personnes, il faut contrôler tout le monde. Si on contrôle seulement les noirs ou les arabes, est-ce que ça sera en train de les stigmatiser? Ou il faut contrôler tout le monde? Ça m'intéresse parce que... Ben, le mieux, ce serait de contrôler tout le monde, mais il faudrait des moyens techniques pour faire ça. Oui. Mais ça, écoute, tu sais ce que je te propose, parce que là, c'est pas le sujet du live, je te propose de Oui. repasser dès qu'il est là. Ou Ok. alors de venir le lundi Quand il est soir là, chez c'est lui sur compliqué de YouTube. monter parce qu'il y a du gens, il y a du Ben, monde. sur YouTube le lundi. Ok. Maintenant, la question qui parle de l'islam, pardon, Oui. c'est que généralement, quand on parle aux Noirs, le prophète avait des esclaves, ils croient pas, ils disent qu'il a même libéré Bilal. Est-ce que Bilal, c'est possible juste de m'expliquer, s'il vous plaît, j'aimerais bien comprendre. Est-ce que c'est vrai qu'il a libéré? Est-ce que c'est vrai qu'il a libéré des esclaves ou c'est juste des histoires qu'on raconte? C'est bah, juste ça. Après, j'ai des sons, j'entends un peu. il en a libéré, mais pas plus qu'il n'en a acheté, commercé et vendu. En gros. D'accord. Ah, ok. Oui, Ok. il en a libéré, même sa femme, une de ses femmes en a libéré une. Elle avait libéré une jeune esclave. Elle était toute contente du coup de le dire à Mohamed. Ah, j'ai libéré mon esclave. C'était Meymouna, c'est ça? Meymouna. Et il lui a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'aurais gagné beaucoup plus en la donnant à un de tes oncles maternels. Donc en gros, c'est grâce à lui qu'il est devenu le premier musulman, je ne sais pas comment on l'appelle. Parce qu'il l'a libéré et puis il est devenu le premier. Bilal? Ouais. Oui, c'est le seul exemple, c'est l'exemple que les musulmans donnent à chaque fois pour essayer de nous dire que regardez, ça abolit l'esclavage. Non, c'est juste qu'il a été libéré, c'est un esclave qui a été libéré, mais à côté de tous les autres qui ont été achetés et vendus par le prophète, bah c'est pas grand-chose quoi. Faut aussi préciser qu'il a été libéré parce que musulman. Parce que musulman. C'est-à-dire que... Ah, il L'islam. était déjà musulman quand il a été libéré. Oui, il était convaincu. Bah, c'est pour ça qu'il était persécuté par les Quraychites. Il a été racheté par Abou Bakr, il a été libéré par Abou Bakr et il se faisait persécuter et torturer parce qu'il était musulman, d'après la tradition. Mais ça, c'est aussi un peu un truc fallacieux qu'on entend. Il faut entendre que l'islam voit d'un œil pas fou l'esclavage quand l'esclave est Les musulman. musulmans. Point. Mais Sinon. c'est ça, en fait les seuls hadiths qui disent de libérer un esclave, soit ils précisent que c'est un esclave musulman quand ça te donne des points, par exemple, libérer un seul esclave musulman. Un esclave musulman, c'est pas les esclaves musulmans, te permet de sauver tous tes membres des flammes de l'enfer. Donc ton membre pour le membre de l'esclave libéré. Donc si tu libères un esclave en bonne santé musulman, eh bien c'est bon, tout ton corps est sauvé des flammes de l'enfer selon un hadith. Par contre, quand ils vont demander de libérer des esclaves, effectivement, il y a une priorité pour les esclaves musulmans. Mais tu peux avoir des esclaves musulmans, mais la priorité, c'est les esclaves musulmans. Et ils vont te dire, bah, par exemple, je ne sais pas si, par exemple, pendant le jeûne du Ramadan, tu as rompu ton jeûne, libère un esclave. Mais si tu peux pas libérer un esclave parce que bah t'en as pas assez ou parce que t'as pas assez d'argent pour te permettre de ça, bah va plutôt faire sans doua, tu vois, ou va plutôt faire ceci, ou va plutôt faire cela. Il y a toujours un truc à faire, en fait, en plus, quand tu lis ces hadiths là. C'est pas libère un esclave, il y a que ça. Non. Si tu peux pas, parce que voilà, t'as pas forcément envie ou tu peux pas, bah fais autre chose, tu vois. Par exemple, sans doua d'une seule et même sourate, je sais plus laquelle c'est, te permet de gagner autant de points que la libération d'un esclave. T'as un hadith qui le dit aussi. Donc à partir de ce moment-là, on peut pas dire que ça encourage à la libération d'esclaves, vu que tu peux faire autrement pour gagner des hassanat. Voilà. Et à partir du moment où t'as libéré un esclave musulman, c'est bon. Du coup, tes membres sont sauvés des flammes de l'enfer. Des flammes de Ok, l'enfer. Pas de l'enfer, mais des ok. flammes. Et Ok, merci beaucoup, hein. faut comprendre que cette position-là, elle est notamment née du Coran, parce que dans le Coran, le seul peuple que Dieu cherche à libérer de l'esclavage, c'est qui? C'est les musulmans de l'époque, les Hébreux, les Juifs, les monothéistes de l'époque.
Il n'a pas envoyé des gens pour libérer d'autres peuples de l'esclavage. Il a envoyé ces gens-là parce que, et quand les savants expliquent, ils disent parce que le statut d'esclave étant un statut, en quelque sorte, d'humiliation, il ne convient pas qu'un musulman soit dans ce statut-là. Donc, on t'impose pas de le libérer s'il est musulman, on t'encourage, mais par contre, un mécréant, lui, s'il est dans ce statut d'humiliation en termes de position sociale par rapport à l'esclavage, bah il n'y a pas de problème, parce que c'est un mécréant. Donc, quand souvent on entend les gens qui te disent oui, mais l'islam, le prophète dit aussi encourager, machin, encourager. Faut repréciser et recontextualiser. C'est soit parce que tu as fait une faute et tu dois expier ta faute, donc en vérité, c'est une sanction. C'est une sanction, c'est-à-dire que quand on te demande de libérer un esclave parce que c'est censé te sanctionner. Tu es censé perdre une partie de tes biens, c'est pas pour le bienfait de l'esclave. Parce que malheureusement, dans l'islam a mis en place d'autres règles pour alimenter l'esclavage. Par exemple, les captifs de guerre, tu peux les réduire en esclavage sans problème. Si l'islam avait simplement dit, avait mis tout un tas de règles en place pour libérer, et que de l'autre côté, il l'empêchait d'asservir, on aurait pu dire, la logique veut que, in fine, l'esclavage se tarisse. Et donc on arrive à une situation où il n'y a plus d'esclaves. Mais c'est pas ce qu'il a fait. D'un côté, l'islam, dans certains textes, appelle à ce que tu expies une faute par la libération d'un esclave, ou t'encourage à libérer un esclave s'il est croyant, s'il est croyant. Mais dans tout un tas d'autres aspects de la loi islamique, il te permet d'asservir des gens par dizaines, par milliers. Et il fait en sorte que l'esclavage, le statut d'esclave se transmette par filiation. Si par exemple un homme esclave épouse une femme esclave, que les deux ont un enfant, l'enfant naît esclave. Il n'est pas libre. Donc l'esclavage, le statut se perpétue également par la filiation. Et toutes ces règles-là font que... Un appel. Il a reçu un Ok, appel. merci beaucoup en tout cas, j'ai compris les Avec explications. plaisir. Eh bien, Oumiche, en espérant qu'on ait pu répondre à tes questions, Merci, j'ai compris. et puis, bah, tu repasses à l'occasion. Ah, bah, il est parti direct. Bon, on voulait pas te chasser, hein, pas du tout. On voulait quand même te dire au revoir et puis te donner l'occasion de dire un mot de la fin. Bah, tant pis. Hein. Il est parti comme ça. Mais merci à toi pour ta visite. Tu repasses quand tu veux, Oumiche. Donc, je refais une petite annonce si vous êtes musulman sunnite. Ah, bah voilà, direct, pas besoin. Pas besoin, apparemment. Bonjour, Salut, ça va bien. Caramelo. Ça va, vous allez bien, William? Merci. Très bien, et toi, Caramelo? Ça va, très bien. Tu es musulman sunnite? Ben, écoute, c'est comme là, je vais pas dire mon âge, parce que si je dis que je suis plus petit que vous, vous allez me prendre pour la légère. Après, si je dis Mais que je suis non, pas du plus tout. grand que vous allez dire, ah oui, il a grandi, il dit n'importe Je te demande juste si tu es musulman sunnite, je te demande pas ton âge. quoi. Non, je suis coraniste, je suis Tu es le Coran. coraniste. D'accord. Et du coup, Enchanté, William, ça enchanté. Mais du coup, alors aussi, toi, les textes de fiqh, tu t'en fous alors? Ben, en fait, moi, je l'ai pris le Coran, je l'ai pris différemment. Par exemple, la sourate que vous avez ouverte, An-Nisa, sourate 3, Ouais. elle parlait des 4. femmes et tout. Sourate 4. Voilà, 4. Si Oui. vous pouvez ouvrir le livre encore, on va en discuter, s'il vous plaît. Bah, pas trop longtemps, hein, parce que Il n'y a pas de moi, souci. j'ai bien compris que tu lisais pas les tafsirs, donc en fait, moi, t'interprètes comme tu veux, mais tu sais ce que je te propose, limite, Caramello? Oui. C'est que tu ouvres un live, vraiment, et que tu expliques, toi, les interprétations que tu fais du Coran. Exactement, on dirait que vous avez lu dans mes pensées parce que mais j'ai pas le courage, c'est ça le Pourquoi problème. t'as pas le courage? Vas-y, ça m'intéresse. Pourquoi t'as pas le courage? Parce que en fait, je vois dans les commentaires là, depuis tout à l'heure, ils disent ouais, vous avez pas raison, pourquoi vous pensez comme ça et tout. Ah ben moi je vous respecte pour vos pensées, parce que vous pensez, même moi si j'étais pas musulman, je vois des gens qui boivent de la pisse de chameau, ils te disent que c'est bien, je vais dire que c'est comme C'est un des marboule. hommes. Ouais, je vais dire que c'est des mêmes choses comme C'est les le hommes marboule. qui ont des vaches, qui font des petits rats et tout. Oula, tu fais du bruit, William. Ah, pardon. Alors pour moi, par exemple, la pisse du chameau et tout, ça c'est des mafias qui sont venues après le prophète. Et le Coran, ça leur va.
Pourquoi? Parce que c'est des gens qui étaient pédophiles, qui étaient. Tu Alors que peux le dire par Maroc. contre, à la place de ce mot-là, tu dis PO, juste PO. Oui, oui. Merci. Les gens, c'était des PO. Et le prophète, pour moi, c'était comme vous. Ils aimaient trop faire genre la vie juste, et ils aimaient pas les injustices et tout. Eux, quand il est venu, il les a donné un livre. Et ce livre, il a marqué que nous avons créé ce livre et nous allons le protéger. Ça, c'est une ayah. Et la preuve, pourquoi je crois toujours en islam? Parce que la preuve, il y a 200 millions d'êtres humains sur la Terre qui ont le Coran par cœur. Et je peux défier tout le monde qu'il n'y a pas un livre qui est appris dans le monde avec ce chiffre. On est bien d'accord, Cassius. Apprendre par cœur un livre, tu sais, si depuis tout petit, on t'enseigne et on t'éduque, on te met dans des Disons que écoles. c'est pas un argument. Ouais, si Disons on que t'éduque avec l'idée qu'il faut absolument que tu apprennes ce livre par cœur et que on en mmh. vient même à te menacer ou à être un peu violent des fois dans l'éducation ou du moins à te formater un peu le cerveau en disant il faut que tu apprennes et on te met dans depuis 3, 4, 5 ans. Moi j'ai connu des gens quand j'étais dans l'islam, depuis tout petit, leur enfant il avait 4 ans, il savait à peine parler. Il avait déjà commencé à lui faire apprendre le Coran, les sourates, etc. Il connaissait quelques hizb, etc. Il savait à peine parler correctement, faire des phrases correctement. Parce que y a rien d'extraordinaire à ça. Tu peux faire ça si depuis tout petit, tu dis à des enfants, tu leur mets dans la tête, écoute toutes les fables de La Fontaine en entier, il faut que tu les apprennes par cœur et tu commences à lui faire apprendre les fables de La Fontaine depuis l'âge de 4-5 ans, tu vas avoir des millions de gens qui les connaissent par cœur. Et d'ailleurs, même sans ça, tu en as aujourd'hui pas mal qui les connaissent. Mais mon La frère, on est cigale bien ayant chanté d'accord. tout l'été. Non, pardon. Excuse-moi. William, on est bien d'accord que il y a des gens dyslexiques, il y a des gens qui n'aiment pas lire, il y a des gens qui aiment les jeux, il y a des gens. Ça veut dire qu'on ne les a pas imposés. C'est-à-dire que de Ah si, c'est eux-mêmes, je suis l'apprentissage par d'accord avec cœur. vous. Je suis d'accord Non. avec vous qu'il y en a qui les ont imposés. Mais par exemple, ma famille à moi, ils ne m'ont pas imposé. Ils m'ont laissé genre réfléchir tout seul, avec le temps. Mais il y a des gens qui l'ont appris par cœur et c'est 200 millions statistiques, je vous parle. Je vous S'ils ont parle pas voulu que vous. faire comme les autres. C'est comme si, regarde, depuis tout petit en France, on nous apprenait par cœur Le Petit Prince, tu vois, le livre Le Petit Prince. Et qu'au final, on arrêtait de l'apprendre à l'école, mais que comme nos parents, nos arrière-grands-parents, nos tantes, nos oncles, tout le monde le connaît par cœur, on se dit, bah, je vais l'apprendre aussi par cœur, parce que traditionnellement, parce que culturellement, parce que c'est ça la France, parce que ceci, parce que cela, bah, il y en a qui vont l'apprendre, beaucoup moins, mais il y en a qui l'apprendront, et pourtant personne ne les aura forcés. Parce qu'il y a un besoin d'identité aussi, de faire comme nos parents, de faire comme ceux qu'on admire, tu vois. Par exemple, vous êtes en train de dire, c'est comme si je vous montre une forêt, je vous dis, ah, il y a le oiseau sur la forêt, il y a le perruche. Vous me dites, ah, je vois que la forêt. Moi, je vous parle d'un livre, genre ça veut dire un livre de A à Z. Non, mais qu'est-ce que tu comprends Il pas est sur protégé, ça fait Sarah, des. mon Moi, cher c'est ça Kamel. ma question. Non, J'ai mais dit, oui, mais oui. quand l'être humain a une capacité à de mémoriser, c'est pas propre au Coran. Toute personne qui va se mettre à mémoriser des textes va en mémoriser si c'est son objectif. C'est pas quelque chose qui est. Tu vas en Israël, par exemple, tu vas dans des écoles talmudiques ou toraïques, voilà, où on enseigne la Torah, etc. Tu as des petits dans les cours, ils récitent la Torah par cœur. Et la Torah, c'est pas un bouquin, c'est un bouquin qui est 5 ou 6 fois plus gros que le Coran. C'est le fait que des gens mémorisent le Coran, soit parce qu'ils sont éduqués depuis l'âge de 4-5 ans et qu'on leur dit il faut que tu apprennes, soit parce qu'ils sont motivés, parce qu'on leur dit oh là là, si tu apprends, tu as plein de hasanat, attention, c'est la parole d'Allah, chaque fois que tu vas prononcer une lettre, tu vas avoir une hasanat, c'est un truc de fou, t'imagines le jour du jugement. Si tu es formaté comme ça, c'est normal que tu vas avoir des milliers, voire des millions de gens qui l'apprennent. Même moi, regarde, quand j'étais musulman. J'ai cherché à mémoriser le Coran, pas en entier, c'est parce que ça n'a jamais été un de mes objectifs, mais à mémoriser des parties, plusieurs sourates, 20, 30 sourates, etc. Et pourtant, j'en avais pas fait mon objectif, hein, parce que je voyais pas l'intérêt de mémoriser entièrement le Coran. Donc, Mais j'en William, avais c'est pas fixé pour ça que tu ne l'objectif. comprends Mais pas. j'aurais pu le faire, mais au moment où j'ai commencé à mémoriser des sourates, je l'ai fait parce que tout simplement, j'étais motivé par le discours. Ouais, si tu fais ça, t'imagines, t'es en train d'apprendre la parole d'Allah. T'imagines chaque phrase que tu vas prononcer, chaque lettre que tu vas prononcer, à chaque fois tu vas avoir des bonnes actions, ça va t'éloigner de l'enfer, etc. C'était ça qui me motivait.
Donc, si tu motives, si tu mets ça dans la tête de petits ou de plus grands, bah évidemment, ils vont chercher à apprendre le Coran. C'est pas un truc extraordinaire, ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc, il n'y a rien de fou dans cette histoire. C'est juste que c'est ce qu'on appelle le formatage. Et tu as la même chose avec, tu as des gens qui connaissent l'évangile, une grosse partie de l'évangile par cœur, et pourtant, c'est pas dans la tradition chrétienne de mémoriser l'évangile en entier. Et tu trouves quand même des gens qui le mémorisent, qui l'ont appris, qu'on a appris la moitié, etc. Mais c'est pas dans la tradition. Alors imagine-toi si c'était dans la culture de mémoriser. Je vous montre, c'est comme si vous êtes mon prof, je vous montre ma feuille. Vous allez trouver tout juste. Et dans un point qui est faux, c'est là que vous n'allez pas trouver juste et vous allez parler que de ce point. Vous faites pareil. Mais moi, je vous respecte pour vos pensées, parce que même moi, je crois en ça. J'ai dit, je suis monté en Europe, j'ai appris le français, malgré que c'était trop difficile pour moi. Et je suis là juste pour remettre les idées claires pour les gens, parce que je vois que tout le monde ne comprend pas l'islam. Pourquoi? J'ai juste envie d'expliquer qu'il y a une mafia qui sont venus après le prophète. Ils ont vu qu'il y a les gens qui l'apprennent par cœur. Ils ont fait quoi? Eh bien, ils ont commencé à inventer des trucs, que le prophète il s'est marié avec quatre, que le prophète il buvait le rapis de chameau, que le prophète, mais indirectement. C'est-à-dire, il disait, ouais, le prophète, il disait de boire le pisse. Mais c'est pour le cancer. Caramello, oui. Mais du coup, est-ce que tu peux te marier avec une seule femme ou quatre, selon toi? Pour moi, c'est pour ça que j'ai commencé mes recherches dans l'islam. J'ai dit, alors que ce Allah, qui connaisse les gens, il n'est pas juste. Pourquoi moi, je ne peux pas. Déjà, je sors avec une femme, j'arrive pas à gérer la deuxième. Imaginez quatre femmes. Mmh. Donc, pour moi, quand j'ai regardé Surat Nisa, j'ai compris, en fait, si tu peux la lire, tu peux la lire. Bien sûr. Je te dis ce que j'ai remarqué. Après, moi aussi, je vous respecte comme vous pensez, mais c'est mon point de vue. Et si vous craignez de ne pas être juste envers les orphelins, il est permis d'épouser. Ah. Oui. Mmh. Il est permis d'épouser. Les orphelins, c'est un truc très intéressant dans cette phrase. Les orphelins, allez-y. Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste avec celle-ci, alors une seule ou des esclaves que vous possédez. D'accord. Si le mot esclave, tu le changes avec un employé, comme on dit maintenant, je ne sais pas en français si employé ou employeur. Employé. Un employé. Okay. Et épouser, tu le remplaces par adopter, là tu vas comprendre le vrai prophète. Ça veut dire, Allah il dit au prophète d'adopter la première femme que tu trouves. Il dit pas une femme, il dit la première femme, mais qui est milf, on va dire. Elle a des enfants, pour que tu l'adoptes. Parce que moi je suis Allah, je t'ai donné une grande place dans cette société. Tu dois adopter la première, si tu n'arrives pas, tu adoptes la deuxième. Si tu arrives encore, tu as des moyens, la troisième ou la quatrième. Et les esclaves. Les esclaves, c'est un mot qu'ils ont utilisé comme ça, je t'ai dit, parce qu'ils ne pouvaient pas toucher au Coran. Du coup, ils ont commencé à changer les sens du mot. Comme ça, les gens ils vont voir le prophète qui les maudit. Pourquoi? Parce que c'est eux les PO, qu'ils aiment bien sortir avec des femmes. Et c'est eux qui sont ravagés, assoiffés de femmes, ils ont dit, ah oui, le prophète, il a dit que c'est halal de se marier avec la femme. Alors, si tu lis dans le Coran, ça dit tout l'inverse. Allah, il parlait des gens, des orphelins. Déjà, il a dit le orphelin. Tu l'as dit avec ta propre bouche, Cassius. Il a dit orphelin. Tu l'adoptes. Après, les femmes qui ont des enfants, tu l'adoptes une première, si tu n'arrives pas, une deuxième, si tu n'arrives pas, une troisième. Et les gens, ils suivent ce que les gens, ils disent. Bah, ce que les gens, là-bas, sont médiatisés, ils disent que oui, on doit se marier avec quatre femmes. Alors que c'est injuste. Et les gens, ils suivent. Pourquoi? Parce que ça leur va. C'est ça, ceci dit, c'est très intéressant ta façon d'interpréter. Merci. Et c'est très très loin de l'islam sunnite, on est bien d'accord, hein. Très très loin, mais ouais. Mais voilà, moi je t'invite à créer des lives, à pas avoir peur, sauf voilà, en plus t'es pas obligé de montrer ton visage, etc. Et à parler toi de ton interprétation. Excuse-moi, parce que je pense que oui. Cassius. Dis-moi. Il y a marqué quelqu'un et couper la main et les pieds.
Et ça, c'est un truc très intéressant, je l'ai vu autrement. Couper la main, il a dit, si quelqu'un il vole, tu le coupes la main. Les gens, ils ont directement pensé que l'islam, ouais, c'est ça. Alors l'islam, ça veut dire paix. Couper la main, ça veut dire de lui. Genre, moi, je serre la main à William Willis. Mais quand il vole, je lui serre plus la main. C'est ça de couper la main, c'est-à-dire de couper la relation. C'est ça les gens qui doivent. Les gens, normalement, ils voient les choses comme ça. Toujours, les gens, ils voient, ils sont cannibalisme, ils voient que du sang, que couper la main, couper des têtes. Alors qu'il voulait pas dire ça. Allah, il est innocent et le prophète, il est innocent de ce qu'ils disent. Même le dans le Coran. Caramelo, tu parles arabe? Je parle très bien arabe, oui, mon frère. Et pourtant, je suis venu tout petit en France, ça veut dire que j'ai pas très bien appris l'arabe là-bas. Mais avec le temps, j'ai commencé à comprendre. Justement, de se marier avec quatre femmes, c'était pour moi injuste. De couper la main, c'était injuste. Des trucs comme ça. Alors, j'ai connu Allah, le vrai Allah, dans le Coran. Et j'ai trouvé que la Mecque, ouais, c'est Beit Allah. Ça veut dire la maison d'Allah. Moi, Allah, que je crois, que je l'imagine, il n'a pas de maison en pierre. Il m'a pas dit d'aller voyager pour moi, parce qu'il sait que je l'aime. Pourquoi j'aille voyager pour faire aller-retour, 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 pour que je montre à Allah? Mais Non, pour ça. savoir comment tu fais pour déterminer le sens des mots en arabe? Tu t'y prends comment? Mais exactement ça me laisse pas dormir. C'est-à-dire, quand je prends un mot, j'essaye de voir les chiites, j'essaye de voir les soufis, de la Turquie, comment les gens. Et la Turquie, c'était des gens très, 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 très barbares. Et ils utilisaient vraiment l'islam Dire juste pour aller sur quelle convaincre. source tu te bases pour déterminer le sens d'un mot? Le sens des mots, je me base, ça veut dire quand je lis cette sourate, je me dis toujours il y a du bien. Allah, il est juste. Mais si je vois Allah qu'il est injuste, Mais tu c'est du bien normal que selon je vais ta le. conception du bien. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Si je le vois injuste, c'est normal que je vais l'interpréter ce mot comme méchant et toujours avoir Allah Mais qu'il du est. coup, mais du coup, Oui. Caramello, au final, tu te bases sur ce que toi tu penses bien ou mal. Mais tu te bases sur quoi, toi, pour savoir ce qui est bien ou mal? Bon, en fait, je vous ai dit depuis le début, je suis coraniste. Ça veut dire que je lis que le Coran, rien d'autre. Oui, mais C'est-à-dire. si le Coran, c'est toi qui l'interprètes, Oui. c'est que par rapport à ce que tu penses être bien ou mal, ta Oui. notion du bien et du mal, elle te vient d'où si elle vient pas réellement du Coran que toi tu interprètes du coup? Ben, en fait, si je vous dis, c'est trop profond, mais j'aimerais bien. Merci pour votre C'est écoute. inné, c'est ça? C'est tu... Pas inné, en fait. Moi, j'aime bien les animaux. Vous voyez, j'aime bien les chats. Je les vois quand ils accouchent. Ils sont là en train de faire des câlins. Et pour moi, c'est Allah qui me les a envoyés pour les voir. Les perruches, les perroquets. J'avais des perroquets de Gabon et tout. Et j'ai remarqué qu'ils sont comme nous. Ils n'ont pas besoin de chaussures. Ils n'ont pas besoin de vêtements pour traîner dans la nature. Ça veut dire que c'est leur terre. Et si tu reviens à Allah, il disait quoi dans la première sourate? Je vais créer des gens. Les anges, ils ont dit quoi? Ils ont dit, tu vas créer des gens qui vont faire foutre la merde de partout et foutre le sang de partout. Et là, on est en train de faire quoi? Foutre le sang de partout des animaux. Et pour moi, c'est ça qui m'a poussé à chercher. Comment ça, attraper un mouton et l'égorger? C'est pour ça que je vous respecte comment vous pensez, parce que c'est trop barbare ce qu'ils font. Juste parce qu'ils aiment bien les femmes, ils aiment bien manger, ils aiment bien que leur ventre. Ils sont égoïstes, ces gens. Et ils ont inventé des histoires que un prophète, il a rêvé que son fils, il allait l'égorger et tout. Alors que je suis revenu au Coran, moi aussi, je croyais en ça. Je vous mens pas. Pendant 18 ans, je croyais en ça. J'étais parmi les mécréants. C'est ça. Je croyais en ça. Comme Mais eux. du coup, Caramello, on pourrait dire que même sans le Coran, tu saurais ce qui est bien ou mal. Non, non, c'est Tu, avec le pourtant, Coran. pourtant, ce que tu m'as dit, pourtant, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as donné comme exemple, c'est toujours des exemples que tu as vus. Par exemple, la beauté des choses qui t'entourent, les animaux, c'est des choses que tu as observées par toi-même, qui t'ont, qui tu. Non, moi je me suis basé sur la première sourate de l'Baqara, de la vache. Il dit aux anges, je vais créer les êtres humains. Les anges, ils répondent. Et ça m'a toujours tourné dans ma tête. Les anges, ils disent, pourquoi tu crées les gens dans cette terre qui vont foutre le sang partout? Et le mot sang partout, il est resté tracé genre dans ma tête. Je disais, comment ça? Et maintenant,
Nous, on a besoin des chaussures, des claquettes et tout pour traîner dans cette terre, dans cette planète. Ça veut dire qu'on est chez eux. On n'était pas chez eux et on est venu chez eux pour s'adapter. Et Ok. pourquoi on les tue? C'est ça qui m'a poussé. C'est pas ma nature. Ma nature, moi, c'est barbare, je vous ai dit. Parce que j'ai grandi là-bas. Comment on dit, ils m'ont coupé un bout de mon zizi, on va dire comme ça. Ils m'ont circoncis. Et ça, pour moi, je ne l'ai pas trouvé dans le Coran. C'est des trucs qui Exact. c'est des C'est pas dans le sacrifices. Coran. Pour Ouais. moi, c'est des sacrifices pour Satan et il se cache derrière le Du coup, Coran. Alors, en tant que musulman, si tu as un fils, tu ne le circoncis, tu vas pas lui faire la circoncision. ben non, par exemple, Ouais. William, ou si vous avez un frère ou quoi, il n'est pas circoncis, pourtant il vit dans la nature, il est là, il fait des enfants. Pourquoi je vais le circoncier, mon fils? T'as Ça, c'est raison. des Je suis sacrifices d'accord pour avec toi. Satan. Et Satan, il aime bien le sang dans la planète. C'est pour ça il fait sacrifier des moutons, des milliards et des milliards des moutons, ils sont morts dans Ben, en tout l'humain. cas, Carmelo, je te remercie énormément Voilà. pour ça. Je ne sais pas si Carmelo, si William a une autre question à te poser. Moi, d'abord, avant, je t'encourage vivement à faire des lives de temps en temps. Tu ne te forces pas, mais si tu en as envie, fais-le et explique. Explique. Je suis sûre qu'il y a des gens Est-ce que vous voyez, regardez, qui tellement ils sont s'intéressera, bavards, vraiment. ils disent, il est défoncé lui, hein, il n'est pas Mais, musulman. non, Parce que mais. pour eux, même Cassius, William, vous allez parler pendant des milliards d'années, ils vont pas comprendre. Ils ont une mise à jour comme ça de barbarie. Ils vont jamais comprendre le vrai Coran que moi je suis. Et Allah que je suis, il n'est pas le méchant dans l'histoire, comme eux ils voient. Si je fais ça, je vais tomber dans la tombe, je vais voir ça, je vais voir ça. Non, Allah il va t'envoyer dans un hôpital à la fin. Il va faire une filtration. Même lui il dit, c'est comme infiltrer un William, homme. tu as une question à poser à Carmelo avant qu'il Non, non, je t'encourage à aller essayer de faire valoir ta position pour faire Ouais. changer un peu les esprits et voilà quoi. Ouais, je t'encourage aussi. Fais des lives, Ouais. Caramello, vraiment. Merci beaucoup et merci Passe pour votre écoute. Merci. avec plaisir, passe une bonne Allez, soirée. au revoir. Salut. Également, également. Pour le coup, juste réagir à un commentaire. Oui. C'est pas qu'il n'assume pas ses textes. Moi, je peux pas lui faire ce reproche-là. Pas C'est du qu'il tout. n'adhère pas au texte. Point. Donc, il n'a pas à les assumer. Dès lors que c'est pas son courant, moi, je vais pas lui dire assume les textes sunnites, je sais pas quoi. C'est pas son courant. Il l'a dit. Il l'assume. Voilà. Maintenant, on est d'accord qu'il développe un islam très personnel, très singulier. Mais c'est sa liberté. Après tout, moi, ça me pose pas de problème. Les gens qui croient et Grave. qui ont cette conception-là, je m'en fiche royalement. Hein. C'est Donc, ça. Et puis qui dit qu'il a pas raison, hein, aussi, oui. hein. Après, voilà. Si effectivement, Qui je suis dit pas qu'il a là pas raison? pour. Parce que ça, tu vois, c'est une théorie que je trouve. En fait, je me suis dit, si j'avais été musulmane et sunnite, et que petit à petit j'étais tombée sur ces textes, comment j'aurais pu réagir? Et je me suis dit, bah, je pense que ma première réaction, c'est de remettre en question l'authenticité des textes. Et de me dire que probablement qu'après la mort du prophète, il y a des gens qui ont voulu modifier. Et puis chaque hadith, comme celui de Haussmann, je me serais dit, ah là, ça, c'est une occasion pour changer les textes. Ensuite, les Boukhari, les muslims, étonnant quand même que ça ressorte que là, à l'époque, il n'y a personne qui les a rapportés, il n'y a pas, tu vois, et De toute façon, c'est d'ailleurs le mécanisme intellectuel qu'ils ont, c'est celui que tu as décrit. Et moi, je ne peux pas leur reprocher d'émettre des doutes quant à la fiabilité de ce que rapporte l'islam sunnite. Hein. Oui. Je peux pas dire, ah non, non, c'est sûr et certain, les califats omeyyades et abbassides sont des gens hyper honnêtes intellectuellement. Franchement, voilà, j'en sais rien. Effectivement, il est fort probable qu'il y ait eu des manipulations. Et Et c'est un d'ailleurs, signe d'esprit critique d'ailleurs de se poser cette tout à fait. question. Tout à fait. Donc franchement non, moi je demande quelqu'un. Moi je préfère quelqu'un qui dit voilà, je suis pas sunnite, c'est pas mon courant, donc et voilà ma vision. Très bien, mais à la limite comme tu l'as dit avec délicatesse, c'est pas vraiment avec nous qu'il faut effectivement débattre. Mais plutôt que quelqu'un qui me dise si c'est sunnite, vous êtes des menteurs. Et puis à la fin, lui pour le coup il assume pas. Voilà. Ou il assume pas soit le sunnisme, soit il est dans une posture avec vis-à-vis de nous, vis-à-vis des autres. Où il a une position, mais il la camoufle, ou alors il est ignorant du fait qu'il n'est pas en fait sunnite, qu'il est ignorant très profondément du sunnisme, et auquel cas c'est plus ça qui est dérangeant, mais lui, personnellement, Non. pas de problème. Bon, on repasse une petite annonce. Si vous êtes musulman sunnite, que vous êtes une femme, tiens, musulmane sunnite, tapez 2 et si vous êtes un homme, vous tapez 1.
comme ça. Parce que oui, ça changerait un petit peu là, de faire monter des femmes, sachant que d'habitude vous avez la priorité, mesdames. Mais là, j'ai zappé. Donc deux pour les femmes musulmanes et un pour les musulmans sunnites. Je laisse une petite chance aux femmes de se déclarer, sinon je fais monter un homme.